bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Emma et on va se retrouver cette semaine pour un vlog tricotesque, le numéro 68. On va se retrouver cette semaine, toute la semaine du coup, pour mes avancées au niveau tricot et voilà, de petits blabla par-ci par-là, bien sympa. Je me présente d'abord, je m'appelle Emma, j'ai 26 ans et j'ai eu un... On adore ma chienne qui ronfle dès l'intro, c'est génial, désolée. Vous allez sans doute la voir dans les petites vidéos et tout, je vous glisserai dans ce vlog. Donc je vais me représenter un petit peu parce que j'ai eu un petit commentaire dessus, une petite question. Il me semble que j'y ai répondu mais je préfère le redire ici aussi. J'ai appris à tricoter avec ma grand-mère et ma mère, mais vraiment le point mousse, une couverture, le truc facile facile quand on est petit. Pas des points réguliers, plein de trous partout, etc. Et en fait, j'ai commencé à reprendre le tricot. On adore ma chaîne qui ronfle derrière. Voilà, c'est tout, oui. J'ai commencé à reprendre le tricot quand je suis tombée enceinte de ma fille. J'ai eu une lubie, je suis allée chez Jiffy acheter de la laine et des aiguilles droites et j'ai commencé à lui faire un petit peu de layette et avec la chance d'avoir YouTube à notre époque. j'ai commencé à regarder des vidéos de podcasts au niveau tricot et en fait ça m'a mise sur les aiguilles circulaires et je me suis améliorée, je me suis un peu formée grâce à toutes ces vidéos, à tous les patrons aussi que l'on peut trouver sur Ravelry, donc j'ai découvert Ravelry là-bas et tous les patrons que on peut trouver et on se lance et on y arrive et voilà, maintenant j'en suis ici sur le tricot et j'adore toujours autant. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 3 juillet, je n'ai pas dit où vous pouvez me retrouver, donc c'est le repère de Emma sur Instagram et Emmanitz4 sur Ravelry. Et je mets tous les liens de la vidéo en dessous de cette vidéo dans le petit plus, comme ça vous pouvez cliquer dessus et avoir tout de suite les infos. Donc aujourd'hui on est le mardi 3 juillet, je porte, il fait froid, ma fille a eu une petite sortie à la plage aujourd'hui, j'ai eu un peu peur parce que ce matin il y avait des nuages qui étaient bien noirs, et mais là ça commence légèrement à se dégager, on voit un petit peu de ciel bleu, j'espère qu'ils vont pas avoir trop froid les petits loups, toutes les maternelles sont parties, enfin le reste des maternelles qu'il y avait sont parties, il me semble qu'ils étaient 28 au début de l'année, là hier j'en ai compté 10. Mais au moins ça fait une petite sortie, ça va leur faire du bien dans les vacances, c'est beaucoup plus light, hein, donc autant profiter. Mais du coup, je porte mon top, non c'est mon, comment ça s'appelle, mon Clem, que j'ai testé pour Lucienne Tricot, donc c'est un kimono avec des manches juste qui arrivent juste au-dessus des coudes, vraiment super, et c'est un cache-cœur, donc noué avec un i-cord. Et il est parfait. Je l'ai tricoté dans les laines de Arco Erician dans son coloris Aslan. Je l'ai acheté la laine quand au moment où elle sortait ce coloris, j'avais vraiment craqué dessus un beau jaune ocre. Et vraiment il est magnifique. Et si vous voulez savoir, je porte aussi mes chaussettes saison que j'ai tricotées de laine foudrée et qui sont dans un kit à chaussettes de la Saint-Valentin de Lily sur un fil, il me semble. Enfin, j'ai tout mis dans mes fiches Ravelry, voilà, c'est à jour. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous montrer mes avancées tricot du week-end. On est mardi, je suis pas venue hier, on récupère du week-end. Mon chéri était d'astreinte de nuit, donc j'ai dû m'occuper des deux enfants toute seule tout le week-end, sortir le matin, etc. C'était pas mal. C'était pas mal. On est allé à la plage samedi matin, il y avait une sorte de concours ou quoi, de foot sur le sable, c'était vraiment pas mal. L'après-midi c'était la sieste, donc ça allait. Et le dimanche, nous sommes allés à un petit zoo pas loin de chez moi, et c'était vraiment sympa. C'est pas la première fois qu'on y va, et on est agréablement surpris à chaque fois qu'on y va. C'est pas un très grand zoo, mais... c'est tellement bien pour les enfants, il n'y a personne en plus. Bon, je crois qu'il y avait deux familles, moi et une autre, sur toute la matinée, on était vraiment super, super bien.
donc un peu fatiguée hier, donc je viens seulement aujourd'hui. Bon, trêve de papotage, on va commencer à regarder un peu ce que j'ai fait ce week-end au niveau tricot. Je vais vous représenter aussi tous mes projets qui sont plus ou moins actifs sur mes aiguilles et voir un peu si j'arrive à les avancer cette semaine. Je vais d'abord vous présenter les tests que j'ai sur les aiguilles parce que c'est ceux-là qui ont avancé le plus pendant les week-ends, parce que comme il y a une date butoir, bah, c'est ceux que j'avance le plus. Voilà. Le premier test qui a avancé ce week-end, c'est un châle que je teste pour même les anges tricotes. J'ai beaucoup de tests, j'adore tester parce qu'on peut papoter avec les designers. Et je trouve que c'est super parce qu'on voit vraiment, on humanise le nom du designer et c'est vraiment top, donc j'aime bien le faire. Et donc j'ai testé pour elle, je teste un jardin de camélia, on va y arriver. Donc c'est son châle avec une magnifique dentelle, avec des feuilles et des fleurs, et j'en suis là. Alors, la semaine dernière, en fait, donc c'est un châle qu'on commence en fait d'une pointe. On va tricoter toute la partie qui est là, le triangle ici, dans une dentelle. Moi, la semaine dernière, j'avais fini la dentelle, je l'avais lavée, bloquée pour vraiment qu'elle puisse bien s'étendre et le point mousse aussi. Donc, vous voyez qu'il est immense, déjà cette partie-là. Ce week-end, j'ai commencé à faire en fait, j'ai repris les mailles sur le bas du triangle et on a du point mousse à faire et là j'ai commencé la brioche. Voilà. Donc au niveau partie, là je suis à peu près à la moitié de la brioche pour cette partie-là et on aura encore en fait à faire du point mousse avec des rangs raccourcis dedans et de la brioche et après ça sera une finition avec des vagues ou qui est vraiment pas mal. Elle nous a montré son projet fini et il est vraiment top. Donc là, de la brioche. En ce moment, je vais en manger parce que j'ai un autre test pour elle qui va bientôt arriver sur mes aiguilles aussi, en brioche. Et voilà. Donc là, brioche magnifique. Et derrière, ça fait ça. J'étais pas totalement à l'aise sur la brioche au début. Et là, je me rends compte que ça... Enfin, j'aime bien. Il faut se concentrer tout le long, mais en vrai c'est très répétitif, c'est une brioche très facile à faire. Avant j'étais pas du tout à l'aise et maintenant ça va beaucoup mieux et du coup voilà, j'adore. On a juste des augmentations mais très faciles à faire et très bien expliquées et puis voilà, après il faut se concentrer hein, bien entendu, mais c'est dans la brioche quand on a une erreur on le voit tout de suite et là vraiment je suis très contente. Donc au niveau laine, on a ici c'est de la de la laine de mout coloris Miss Sabline et le orange nuancé c'est de la Tricot Stitch. Attention Dorothée, écoute-moi. De coloris Pumpkin Patch. Je sais pas si je l'ai bien dit. J'ai eu un tricoté samedi et il y a une tricopine qui s'est un peu moquée de mon accent anglais. Mais je le dis à chaque fois qu'il est nul, mon accent anglais. Et du coup, voilà. Donc lui, honnêtement, j'aimerais bien, je pense, arriver sur la deuxième partie de brioche avant la fin de semaine. Si je pouvais vraiment finir, ce serait top. Mais il me prend... J'aime bien. Je pour l'instant, j'arrête pas de tricoter dessus, donc on verra un peu. Il sort le 26 juillet, ou il faut l'avoir fini le 26 juillet. Et du coup, lui, il va avancer pas mal. Projet principal. Et c'est une beauté. Le deuxième test que j'ai sur les aiguilles, c'est un châle encore, parce qu'il n'y a que des châles en ce moment. Il y a beaucoup de châles en ce moment. C'est du Nadia Créter-les-Chênes, donc NCL Knits. Je teste pour elle son Morning Light. Je vais vous montrer un peu où j'en suis. Et je pense que ça sera la dernière semaine que vous le verrez. Parce qu'elle demande. Nadia demande toujours à ce qu'on ne montre pas ce qui est normal, son projet final. Et je vais vous montrer un peu où j'en suis. Je sais plus où je. Mon fils pleure, je vais aller voir après. Je ne sais plus où j'en étais. Donc, je reviens. Désolée, mon petit garçon avait besoin d'avoir la couche changée. Donc,
Donc, oui, le Morning Light. Je ne sais plus où j'en étais arrivée la dernière fois, donc je vais vous le remontrer. Alors, c'est un châle qu'on commence par le haut, qui est demi-circulaire, avec une alternance de points mousse, donc ici, et de côte à un semi-torse, qu'on fait en aller-retour, hein, normal un châle. Et voilà, on le fait un certain nombre de fois, comme il est indiqué dans le patron, et arrivé à un moment donné, on aura une dentelle magnifique. Et je vais m'arrêter avant je vais arrêter de vous le montrer avant de faire la dentelle, comme ça, bah, vous aurez l'effet de surprise. Il sort le 15 août, il me semble. Mon objectif, ça serait d'arriver à cette dentelle. Là, j'ai encore deux rangs de côtes, un semi-torse à faire, une section de points mousse, et après, je serai à la dentelle. Donc, vraiment, j'ai plus énormément à faire dessus. Malgré qu'il y ait quand même pas mal de mailles sur les aiguilles actuellement, j'ai un tout petit câble. Mais ouais, je suis bien contente. Ouais. je l'ai tricoté dans... Après, il n'y a pas plus à dire dessus. La laine, elle est ultra douce. Je l'ai tricoté dans les laines de Les Chevaux Solidaires dans son coloris Nantes. Hein. J'avais pas de coloris comme ça dans mon... dans mon panel de châle. J'avais pas de coloris blanc et je me suis dit ça serait pas mal d'en faire un de cette couleur là, et vraiment il est trop beau, il est ultra facile à faire vraiment pour le coup. Mais c'est ça qui est bien avec Nadia, c'est que ses patrons de châle ils sont vraiment très faciles à faire et on peut vraiment le prendre partout. J'essaie de le prendre quand je fais de la voiture, j'entends ma fille. Bon, en ce moment c'est encore plus difficile qu'avant, mais voilà, j'essaie vraiment de le prendre, vraiment que j'ai besoin de lire ou de vraiment prendre un tricot limite zéro cerveau, quoi. Et vraiment, il est top. Donc, je suis très très contente de ce patron-là. Il est très simple, mais il est vraiment top. Donc, je pense que ce sera la dernière semaine que vous le voyez. Je viendrai vous le remontrer pour voir un peu la taille qu'il fait avant de commencer la dentelle, et puis après, ça sera bon. Les autres, je regarde un coup les autres projets, il y en a 4. Ce ne sont pas des tests, c'est du projet pour moi. Le premier, c'est le pull papillon, c'est le pull Machaon de Jerry Hoffman. Excusez-moi. J'ai pas avancé dessus ce week-end, je me suis vraiment concentrée sur mes tests. Là, je vais vous montrer quand même, j'aimerais bien avancer aussi dessus, mais comme on dit, déjà on est mardi, on aimerait bien faire des trucs, mais est-ce qu'on arrivera à tout faire, c'est pas sûr. Et voici, j'étais arrivée à la séparation corps-manche, et j'ai encore une vingtaine de rangs de jacquard après ça, et après je serai sur du jersey endroit tout simple. Il est magnifique, j'adore, je suis fan. À toutes les personnes que je lui ai montré, tout le monde dit qu'il est trop beau. Et lui, j'aimerais bien aussi l'avancer. Enfin, on aimerait bien tous avancer. Mais je vous le montre parce qu'il est trop beau. Et voilà. Ma copine est bien avancée aussi. Elle est sur le jersey du corps, si elle n'a pas déjà fini. Elle avance à une vitesse malulu. Et du coup, voilà. Il est trop beau. Je l'ai tricoté dans les laines de Bulbe Bizarre pour le coloris principal, c'est son Cozy at Home. Le blanc, c'est de la langue alpaca socks que j'ai eu dans ma petite mercerie, une tasse de fil et aiguille, c'était un reste d'un autre pull. Et le orange caramel ici, c'est de la Célène coloris caramel que j'avais aussi d'un reste d'un autre pull. Ouais. Et je sais pas du coup si j'aurai assez de fil pour faire tout le jacquard. Je vais déjà faire celui en dessous du papillon et celui des manches, et puis après on verra où on en est. Ça sera déjà pas mal. Donc oui, j'aimerais bien quand même le reprendre un petit peu pour avoir avancé mes petits projets à moi. Mais bon, on verra bien. Le deuxième projet non test que je vais vous présenter, c'est le top Malabar, qui n'a pas avancé non plus ce week-end. Mais bon. Que je tricote dans les laines de Bulbe Bizarre dans son coloris Bloomingdale. Et donc c'est un t-shirt avec un nouage sur le devant et des manches arrivées mi-bras, enfin juste en dessous du... Je fais tout tomber, attendez. Juste au-dessus du coude.
Voilà, magnifique. Je suis dans les augmentations, j'en ai quand même pas mal encore à faire, je crois que je dois être dans la moitié. Et voilà, mon but c'est d'avancer aussi dessus, ça serait pas mal. Mais si je pouvais faire que tricoter toute la journée, ça serait top. Mais on peut pas, c'est pas possible. Voilà. Donc celui-ci, j'aimerais bien quand même reprendre pour tricoter quelques rangs dessus, surtout que c'est du jersey tout simple, donc voilà. C'est le oui c'est du Steen Knitting, je ne sais plus si je vous ai dit la designeuse et puis voilà. Les chaussettes, je vous les présenterai dans la semaine parce que je suis toujours pas avancée non plus et toujours pas présentée au même endroit. Mais il y a un projet qui a sauté sur mes aiguilles ce week-end. Et oui, vous l'avez vu. C'est le Get Set and Go de je ne sais plus comment, je vous le mettrai en bas. Que toutes les, en fait les, on est toutes, on est une bande de tricopines qui vont justement à notre petite mercerie. On a décidé en fait de prendre tout un écheveau du coloris de Bulbe Bizarre, c'est le coloris Sous l'océan, donc c'est celui-ci, il est magnifique, très nuancé, et moi j'ai pris des paillettes, il est magnifique. Et en fait, on s'est dit, on va toutes faire un châle à un écheveau. Lauriane, le demoiselle, coucou si tu me regardes, Ona, a fait une sélection de patrons de châle à un écheveau qu'elle nous a proposé et on a pu choisir celui qu'on voulait. Moi, j'ai pris le Get Set and Go, du coup. Et bah, je vais vous montrer un petit peu l'avancée. Vous êtes prêts? Alors, c'est un châle du coup qu'on commence d'une pointe avec bah, en jersey, tout, avec des augmentations bien entendu. Et arrivé à un certain endroit, en fait, on va commencer à faire bah, une sorte de dentelle. Donc c'est vraiment très simple, hein, c'est jeter et deux mailles ensemble l'endroit. C'est un patron gratuit, donc vous pouvez y aller, c'est génial. Il est en anglais par contre. C'est des rangs par rang à suivre, vraiment très facile à faire. Et voilà, donc on augmente, on fait la sorte de dentelle, et puis voilà. Moi je suis arrivée sur la deuxième, elle est sur le point d'être finie, et la troisième flèche un peu, elle commence. Donc vous le voyez, je sais pas si vous voyez, si là. Donc en fait, la dentelle est vraiment topissime, mais alors quand je vous dis topissime, et la couleur. Il y a beaucoup de vert et de bleu qui prédominent dans les chevaux, mais il y a des petites couleurs comme du rose, du violet, il y a aussi un tout petit peu de rouge, enfin, vraiment du bleu turquoise, enfin, vraiment magnifique. Et plus on tricote, plus on a envie de tricoter dessus. Voilà, je vous le dis, plus on tricote, plus on a envie de voir les couleurs qui arrivent, et c'est vraiment par petites touches, hein, vraiment. Et du coup. Bah, je suis fan. Ça, j'en avais fait. Je crois que j'avais tricoté jusque-là. Jusqu'ici. Pour le tricoter. Puis après, j'ai repris le soir même pour avancer parce que bah, c'est trop beau. Le patron est super simple et la laine, elle est trop belle. Et voilà, je suis fan. Donc, je sais que Lauriane en fait un autre. Pauline, elle a commencé aussi en même temps que nous avec un coloris jaune. Je crois que ça doit être rétro yellow, mais je suis pas sûre. Elle a fait aussi le Mara. Lauriane, je ne sais plus lequel elle a fait. Mais alors, topissime, je suis fan, 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 fan. Et ça va encore être une nouvelle couleur dans ma palette. Donc oui, j'aimerais bien l'avancer. Voilà, vous l'avez bien compris. Et lui, c'est sûr que je vais le reprendre cette semaine parce que je veux quand même avancer régulièrement dessus et pas l'avoir commencé puis le laisser de côté. Et puis, c'est un châle à un écheveau, donc il va quand même aller, je pense, vite si je lui mets bien dessus. Voilà. Bah écoutez, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Nous, on va se retrouver dans la semaine ou demain soir, je vais essayer de vous prendre pour les avancer. Et voilà. Bon. Essayez parce que vu comment je galère avec ma puce en ce moment, voilà. On verra bien comment on arrive à se revoir, sinon ce sera vendredi pour la fin. Allez, gros bisous à cette semaine!
j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le jeudi 4 juillet, il me semble. Vous entendez ma chienne qui vient de boire. Et ma petite chienne Toon qui a pris ma place dans le canapé, donc je vais lui laisser. Je viens vous montrer du coup mes avancées tricotesques. Il faut que je me concentre, je la vois à côté. Mes avancées tricotesques du coup depuis mardi. Donc on est jeudi. Et voilà. Alors, le premier, c'est mon châle, un jardin de camélia. C'est le châle le projet que je prends en priorité, parce que ben, y a une date butoir qui est fin juillet, et ouais, j'aimerais bien l'avoir fini, tout ça. Je vais vous montrer, vous êtes prêts? Alors, on dirait pas qu'il y a beaucoup d'avancées, mais ces derniers jours ont été un peu compliqués. Donc j'ai fait au mieux. Vous voyez qu'il y a encore la brioche. Je l'ai fini hier soir. Voilà. Je vais continuer à la faire. Je vais continuer sur ce projet-là. Je vais y arriver cet après-midi, mais je vais je l'ai fini la section brioche hier soir. Là, j'ai encore des ronds raccourcis. En fait, cette partie-là va encore se répéter une fois. Donc, on va avoir les ronds raccourcis. Ronds raccourcis point mousse en orange. Et ensuite, on aura encore une partie de brioche. Et après, ça sera la bordure en vague. Et voilà. J'aimerais bien arriver à la brioche. On est jeudi. Pour le week-end, ce serait pas mal, comme ça je pourrais quand même avancer tranquillement dessus. Pas que je fasse de bêtises. Surtout que là, on arrive aux vacances pour les enfants. Et j'ai ma puce pendant 2 mois avec mon petit poulet. Et comme elle est toujours collée à moi, ça sera pas aussi facile de venir tricoter des trucs un peu compliqués, genre comme de la brioche. Et voilà, donc on va essayer d'avancer quand même. Mes enfants vont quand même aller chez mes parents une journée par semaine. J'ai demandé à ma mère si c'était possible pour aussi moi un peu souffler. Et je pense que cette journée-là, je sais pas encore laquelle ça sera. Et cette journée-là, je viendrai. Je pense que je ferai des podcasts si j'arrive pas à faire des vidéos. Je viendrai faire ma petite vidéo de la semaine pour vous montrer mes avancées. Et voilà. Donc là, sur celui-ci, j'avance bien. Je suis bien contente parce que j'ai vraiment pas du tout d'erreur dans ma brioche. J'ai vraiment fait ça nickel, nickel. Je me suis bien concentrée et vraiment, elle est magnifique. Hop, vous voyez, donc là, c'est l'endroit. Hop, et ici, c'est l'envers. Voilà. Donc je suis vraiment très contente du rendu. On n'a plus qu'à continuer. je viens aussi. Alors, je ne vous remontre pas mon châle Morning Light de Anselmitz parce que j'ai pas beaucoup avancé dessus. J'en suis au début du point mousse, du dernier point mousse. Je vais essayer de l'avancer aujourd'hui. Je viendrai vous le remontrer demain pour la dernière fois que vous le verrez sur mes aiguilles. La prochaine fois, ça sera à partir du 15 août pour. Avoir le rendu final à sa sortie parce que en fait je vais pas si j'avance dessus ou j'ai fini le point mousse autant continuer sur la dentelle après sans attendre de venir vous voir. Je vais aussi vous montrer mes chaussettes parce que je vous les ai pas montrées, donc c'est des chaussettes toutes simples. J'ai un tout petit peu avancé dessus ce matin avec mon petit garçon, il était tranquille à la maison, on était à la plage aussi ce matin, il faisait des gros nuages noirs. Donc nous sommes quand même allés à la plage, ça nous a fait du bien avec ma petite chienne, Ona. Et après on a vraiment pris un mini goûter du matin, j'ai pu avancer un petit peu sur mon tricot. C'était vraiment pas beaucoup, hein. J'ai fait peut-être une rayure. Et voilà, les chaussettes là. J'ai déjà fait sa première, sa jumelle qui est ici. Et là c'est la deuxième. Je sais qu'après celle-là je vais faire des chaussettes en jacquard avec ma Lulu. Donc je avance quand même un petit peu même si c'est pas énorme. Et c'est la laine. Donc c'est des chaussettes. Moi j'appelle ça les chaussettes à la crème. C'est mon petit patron perso. Merci Ona. Ona. Pas rentrer Moon Moon. T'es trop belle. Elle ronfle à côté, désolée. Et la laine c'est de la ma petite laine boutique dans son coloris Flamingo for Christmas. C'est bien mon accent.
Et en fait, c'est un kit à chaussettes. Elle met en écheveau la laine, le mini et l'écheveau en même temps. Et je trouve que c'est vraiment super. Ça fait un seul écheveau et le mini ne sauve pas. Et du coup, on garde les deux sur le même écheveau, quoi. Voilà. Et du coup, voilà. Donc celui-là, on avance tranquillement. Vraiment, c'est pépère. On priorisait les tests. Mais j'ai quand même eu envie cette semaine, mardi, d'avancer sur un projet, celui-ci. Vous l'avez vu lundi. J'ai eu envie d'avancer sur mon châle Get Set and Go. On a un petit groupe sur Instagram, du coup, on papote avec les tricopines. Et on se montre nos avancées. Bon, je suis plus avancée. Mais c'est super de voir les teintes de couleurs différentes. Parce que c'est tellement nuancé que y en a qui sont un peu plus. Il y a certains écheveaux qui sont un peu plus bleus, il y en a qui sont un peu plus verts, etc. Et en fait, c'est super de voir la teinte. J'ai mis un marqueur quand même. J'en étais ici. Voilà. Et je l'ai tricoté en fait pendant l'endormissement de ma fille. Aussi hier. Hier toute la journée, je crois. Oui, hier toute la journée, je l'ai tricoté. Enfin, toute la journée, voilà. Et je faudais, hein, mais pendant l'endormissement de ma fille, etc. Et du coup, en fait, j'en étais là et j'ai fait tout ça. Au niveau des flèches, donc vous voyez bien que ça fait des flèches au niveau dentelle ici. Ici. Je suis. Donc là, en fait, on commence. Là, par exemple, je finis cette flèche-là. J'ai commencé celle-ci. Donc là, je suis en train de finir. Hein. Vous voyez que... Là, j'ai commencé celle-ci. Et il y en a une toute petite celle-ci qui commence... on commence le bout. Et bien, je suis à la... avec celle-ci. Cette flèche-là, ce sera la moitié du châle. Voilà. Donc, il avance bien. Je suis contente de tricoter dessus. Il va vraiment vite. C'est très addictif. Et vraiment, ce qui est ultra addictif, c'est déjà de le tricoter avec les tricopines. Mais aussi de voir les... Le bâton est super addictif aussi. Mais de voir les nuances de la laine en fait qui arrive, c'est vraiment... Waouh. C'est énorme, c'est super beau. Enfin, je suis fan de la laine. Je suis fan. Voilà. Je vous laisse regarder. Sur mon compte Instagram, j'ai publié une photo de la laine, mais vraiment très proche, où on voit vraiment toutes les nuances et je la trouve magnifique. En plus, avec les paillettes, j'adore. Et la dentelle, elle est vraiment très simple. Donc, vraiment, si vous voulez essayer un patron avec d'un châle avec un seul écheveau, je vous conseille grandement celui-ci. C'est un patron en anglais et il est ultra facile à comprendre. Vraiment, on a. C'est très très facile, tout est super bien expliqué, enfin voilà, je vous le conseille à 100% pour l'instant. Mais je pense que jusqu'au bout ça devrait aller. Et la laine de Pauline, elle est magnifique. Elle est bien dodue, elle est douce, elle est... Voilà. Je suis trop contente. Et du coup j'ai pas réussi à le lâcher hier, mais celui-ci je pense que si j'arrive à me détacher un peu de ma fille pour son endormissement, je vais pouvoir continuer sur celui-ci. On verra. écoutez, pour aujourd'hui, du coup, ça va être bon. Moi, je vais venir vous revoir demain. Demain, on est vendredi, pour la dernière de cette vidéo. Et après, les vidéos, ce seront des podcasts, je pense, fortement, jusque septembre, parce que les vacances obligent. Et voilà, on verra un peu comment ça va aller. Je pense que ça sera ça. Allez, gros bisous, à demain. Coucou, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens clôturer ce vlog. On est le vendredi 5 juillet et je viens pas pour des énormes avancées, mais je viens quand même vous voir pour justement clôturer ce vlog. Le projet que j'ai le plus avancé, pratiquement que lui. Pratiquement. C'est le châle Un jardin de camélia.
Donc lui, en fait, je le prends pratiquement tout le temps, comme ça, je l'avance. Et comme il est sur la fin... Merci, Oda, qui ronfle. Comme il est sur la fin, bah voilà, ça, c'est comme ça, ce sera un projet terminé. Je vous ai pas dit, je porte pas de tricot sur le haut, bien qu'il fasse un temps d'automne, là, il pleut depuis ce matin, c'est génial. On n'a même pas pu sortir avec mon fils. Mais je porte mes chaussettes, hop, ici. Mes chaussettes Percy de Marie Elix Tricot. Voilà. Je voulais vous les montrer. À chaque fois, on voit pas assez les chaussettes des personnes parce que bon, c'est toujours difficile de se contorsionner pour vous montrer. Du coup, je vais vous montrer mon avancée. Alors, déjà regardez la grandeur du châle. Il n'est pas fini. Alors, hier j'en étais à la fin de la brioche. J'ai fait du coup la bande orange ici, là. Et j'ai fait mes 4 rangs de mise en place de la brioche pour ce châle du coup. Et là j'aurai encore la bande de brioche à faire et la bordure en vague. Laetitia a marqué la bordure en vague. Et après ce sera le rabat et on aura fini. J'ai rien de plus à vous dire dessus, ça va vraiment être rapide. Hein. J'aimerais bien vraiment finir la brioche, faire la brioche ce week-end et être sur la bordure la semaine prochaine pour l'avoir fini la semaine prochaine. Fin de la semaine prochaine, l'objectif lui, ce sera qu'il soit fini. Il sort le 26 juillet, le temps de rentrer les fils, le laver, le bloquer. Ouais, la fin de la semaine prochaine, il doit être fini. C'est tellement pas beau que ça sèche pas. Donc voilà, je suis ultra contente. Il est déjà immense. Il va encore prendre un peu d'ampleur. Bien qu'on est sur la fin quand même. Enfin, sur la fin, ouais. On est plus proche de la fin que du début. Et du coup, voilà. Il est immense. Il est immense, mais ça fait tellement plaisir de voir... le travail qu'on a fait dessus et de se dire waouh, on a fait pas mal d'heures de tricot dessus et bah il est si grand donc ça fait plaisir. C'est pas un tout petit châle, voilà. Donc lui, prioritaire comme toute cette semaine je pense, vous l'avez remarqué. Et après lui j'aimerais bien commencer l'autre châle que j'ai en test pour ma maison tricot Laetitia, comme ça. J'ai pas trop de projets sur les aigles. Enfin, déjà, j'en ai pas mal, mais là, au moins, ça tourne un petit peu. Et je vais aussi vous montrer pour la dernière fois le châle de Nadia, le Morning Light. Parce que ce sera la dernière fois que vous le verrez avant sa sortie le 15 août, normalement. J'ai pas énormément avancé, j'ai dû faire deux rangs dessus hier pendant le goûter. Hier, en rentrant de l'école, il faisait. C'était pas non plus un temps super super d'été, mais il faisait au moins du soleil par rapport à aujourd'hui. Et on a fait une bataille d'eau avec les enfants. C'était trop bien. Ma fille vise ultra bien quand même. Du coup, bah le voilà, la fin de celui-ci. Lui, c'est un châle à deux écheveaux, donc il est moins grand que l'autre. Mais je suis vraiment très contente dessus. Pour l'instant, c'est un basique. En fait, vraiment, les points sont très faciles à faire. La dentelle va apporter vraiment la touche de... le petit plus, la touche de... Je ne sais plus le mot. Je vous mettrai peut-être en bas si je me souviens. Et du coup, bah, j'ai très hâte de la tricoter parce que ça va vraiment... vraiment apporter un plus au châle. Voilà. Donc celui-ci, je vais le prendre cet après-midi en l'usant, ça sera pas mal. Et voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc c'est la dernière fois que vous le verrez, celui-ci. Pour les autres avancées, j'ai pas avancé plus non plus. Hier soir, ça a été un peu la galère avec ma puce encore. Ah oui, je voulais vous dire aussi. J'ai découvert une nouvelle tricopine qui est dans les Hauts-de-France qui fait aussi des vidéos. C'est les tricots de Justine, il me semble. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne juste en dessous. Elle a parlé de moi, donc bah, super sympa. Coucou si tu me regardes. J'ai regardé Ona, dis donc. Ona.
J'ai regardé sa vidéo hier, son dernier podcast, et elle est vraiment super. Elle fait des merveilles avec ses mains, autant couture que tricot. Et ben, allez la voir du coup. Et elle parlait, elle disait qu'on est tous dans la même galère quand on est maman d'enfants. Ben, on doit toujours jongler entre les enfants et puis nos petits plaisirs à nous, parce qu'on est quand même des humains et faut pas s'oublier. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et bien pour aujourd'hui, ça va être bon. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et voilà. Merci beaucoup. Allez, gros bisous.